بعيدا عن صخب المدينة تحتضن هذه الجزيرة الصغيرة جزيرة موريس في المحيط الهندي كأس إفريقيا للرجبي التي تدخل ضمن تصفية الأولمبياد، حيث يبدأ المنتخب الوطني الجزائري للرجبي غمار المنافسة بثلاث مواجهات أمام كل من موريس، ليزوتو وبوتسوانا. Définitivement, je trouve que l'équipe a une bonne cohésion. C'est le plus important pour ce jeu que les joueurs soient connectés ensemble sur la même motivation, la même intensité. Et là-dessus, c'est sûr qu'on a un petit peu de retard en termes de temps de travail. Mais aujourd'hui, on a des joueurs qui ont la capacité physique et technique pour exister sur ce tournoi. Donc notre objectif, il est clair, c'est vraiment que l'équipe grandisse au fur et à mesure du tournoi et qu'on arrive à un haut niveau de performance. Même s'il y a beaucoup de nouveaux, je trouve que le groupe vit bien ensemble. On a l'impression qu'on est ensemble déjà depuis 3 semaines alors que ça fait que quelques jours. Il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir à être ensemble. Et je pense que le groupe et les joueurs ont très, très envie de commencer ce tournoi. تشكيلة شابة تمزج بين الخبرة والدماء الجديدة، هدفها الوحيد تشريف الراية الوطنية والتعريف أكثر برياضة الركبي التي عرفت تطوراً كبيراً في الجزائر وأصبحت تشرف الراية الوطنية خارجاً. احنا ونا toujours en contact مع الجزائر que soit radic en France ou les نروح في البلاد كل عام. Ça fait, on a ce truc en nous, c'est dans le sang qui mangoule. Ou Tahia Jezer, ou Inch'Allah, la victoire. C'est une fierté de pouvoir jouer pour l'Algérie. Toute la famille est fière de nous, moi et mon frère. Et de représenter l'Algérie, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Mais il n'y avait pas de rugby en Algérie. Et Alhamdulillah, là, ça se développe un peu. انطلاقة جديدة للرجبي الجزائري بحثاً عن مجد جديد وتألق آخر بعد الأخير في البطولة الإفريقية بفرنسا السنة الماضية على أمل التواجد في الأولمبياد سنة 2024. تحيا جزائر.